Chers amis, amoureux de la poésie, dans cette chronique, je vais emboîter le pas à tous ceux qui ont défilé ce 5 décembre 2019 contre l'ordre inique, ou plutôt le désordre inique, installé par Emmanuel Macron dans ce pays qu'il ne connaît pas. Je reviendrai tout à l'heure sur cette dernière formule. Nous vivons dans un pays de culture et de tradition, ce qu'ignore superbement l'énarque inculte qui nous gouverne. Celui-là qui mettrait volontiers Hugo et Lamartine sur le même pied d'égalité que Madonna et Beyoncé. Celui qui veut que ses compatriotes deviennent des nomades hyper connectés, des consommateurs compulsifs pour le plus grand plaisir de ses copains milliardaires. Les Bernard Arnault, Serge Dassault, Patrick Drahi, Vincent Bolloré, Xavier Niel, Arnaud Lagardère, etc., etc. À la tête de la France se trouve aujourd'hui ce produit de la mondialisation, entendez par la paupérisation, notamment culturelle, qui a fait venir à l'Élysée pour la fête de la musique un groupe de danseurs qui s'est produit sur la musique de DJ Kiddy Smile, une musique à deux notes pour deux neurones, pour reprendre les mots du philosophe Michel Onfray. Ce que veut ce président, de qui on n'apprend jamais rien à travers ses discours faussement intellectuels, c'est une société composée d'individus sans repères ni racines, en d'autres termes, coupés de leur patrimoine culturel. C'est ainsi que les individus deviennent plus malléables et se rendent plus volontiers à Disneyland qu'au musée de la Croix. Du premier, on ressort infantilisé, du second, on ressort grandi. Eh bien moi, je trouve que derrière le mouvement d'ampleur qui a saisi la France ce 5 décembre, se dessine également une révolution culturelle. Non pas une révolution culturelle à la chinoise, avec garde rouge à la clé, mais une insurrection pour réclamer que la culture française et ses valeurs essentielles qu'elle véhicule soient portées haut et fort par nos gouvernants, lesquels aujourd'hui ressemble furieusement au président qu'ils servent. Je veux parler de gouvernants technocrates et de plus en plus incultes comme lui-même. Il serait temps, je trouve, de faire comprendre au petit chef égocentrique et imbu de lui-même que les Français ne veulent pas de son modèle culturel de pacotille, celui du marché global qui appauvrit les peuples autant financièrement qu'intellectuellement au profit d'une minorité d'ultra-riches. Cette minorité pour qui le président a pondu sa théorie de premier de cordée, une théorie d'attrape-couillon qui veut faire croire que les plus riches tendront la main à ceux qui rament sous leurs pieds pour les aider à escalader les sommets de l'aisance et du bien-être. Or, ce que veulent les ultra-riches, c'est être encore plus riches et cela engendre de plus en plus de pauvres. Voilà où nous en sommes. Alors, ce serait bien qu'il s'en aille vite fait ce pantin, mis là où il est par ses parrains multimillionnaires, car il n'est pas à sa place à la tête de ce pays qu'il ne connaît pas. Au passage, je précise que je viens de citer le titre d'un livre de François Ruffin dédié au président en question, lequel livre est intitulé « Ce pays que tu ne connais pas ». Un ouvrage dans lequel il est question du parcours d'un homme sans envergure nationale, qui ne fréquente que les gens de la haute, les hauts fonctionnaires, les PDG, ainsi de suite. Eh bien, il serait temps que les Français lui rendent la monnaie de sa pièce à ce monsieur qui n'a eu de cesse de les mépriser et de les insulter tout en leur faisant la leçon alors qu'il est lui-même complètement à l'ouest et coupé de ce pays dont il ne sait pas grand-chose. Et pour finir, comme je suis toujours porté à dire les choses en poésie, héritage de la terre de mes aïeux, l'Iran, je vais vous lire un poème que j'ai composé en l'honneur du président. Il s'agit d'un pamphlet, autrement dit, tout le contraire d'un éloge. Et je l'ai intitulé « C'est dans l'air du temps, dégage Manu ». Il est composé de quatre alexandrins sous forme de rimes embrassées, c'est-à-dire que le premier vers
de l'alexandrin rime avec le quatrième et le deuxième vers rime avec le troisième. Le voici. Il a beau nous entendre, il ne nous comprend pas. Le président hors sol nous sert de beaux discours. Face à tant de misère, son propos reste court. Pour mettre le feu aux poudres, il a franchi le pas. Le trader, m'as-tu vu, accumule les bourdes. Il ne veut rien lâcher. Voici le résultat. Le peuple est dans la rue, s'attire dans le tas. En violence et dégâts, la note est déjà lourde. Le président des riches réserve ses cadeaux aux copains et coquins repus et corrompus. L'affaire a trop duré, ça craint comme ça pue, et c'est tout un pays qu'il s'est mis sur le dos. Manu, le bouchon, tu l'as poussé trop loin. En matière d'inconscience, tu t'es montré au top. Tu confonds la France avec une start-up. Tu n'es pas à ta place, tout le monde est témoin. C'est un poème que j'ai composé à Paris le 3 décembre 2018. C'est quasiment un an, jour pour jour, avant cette manifestation de jeudi dernier. Et bien voilà, tout est dit. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à la partager, ni d'ailleurs à vous abonner à ma chaîne YouTube. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures poétiques entre France et Iran. En persan, Tabezoudi.